Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça appartenait à ma femme. Je pense qu'elle était à peu près de votre taille, et elle ne l'a presque plus jamais porté après avoir quitté l'abri. Trop tape à l'œil à son goût. Alors, merci pour les soins, vous n'auriez pas dû fouiller dans mes affaires. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, soyons gentils. Laissez tomber, c'est mon boulot après tout. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Vous devriez la trouver au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer. Mode Hardcore. Fallout New Vegas permet de jouer selon un nouveau mode appelé Hardcore qui augmente considérablement la difficulté du jeu. Dans ce mode, les Steam Packs agissent au fil du temps et ne peuvent réparer les membres infirmes. Le Radaway élimine les radiations au fil du temps et la déshydratation est une préoccupation constante. Ce mode n'est recommandé qu'aux joueurs expérimentés. Il est possible d'activer et désactiver le mode Hardcore à tout moment dans le menu Jouabilité, mais si vous l'activez maintenant et les conservez jusqu'à la fin du scénario, vous recevez une récompense spéciale. Voulez-vous activer le mode Hardcore? Non. J'aime bien les Fallout, mais je suis pas spécialement douée, donc on va éviter. Un jour, j'essaierai, mais pas aujourd'hui. Voilà. Donc non, merci, ça ira. Par contre, on va s'habiller, hein. Toutes les armes disposent d'une catégorie compétence d'armes qui détermine leur efficacité. Les armes à feu, les armes à énergie, les explosifs, les armes de corps à corps ou les armes à main nue. Comparez la petite icône en bas à gauche de l'icône d'arme à celle du menu de compétences du Pip-Boy. Dégâts par seconde, je sais pas. Ces valeurs indiquent respectivement les dégâts de base et les dégâts par seconde, c'est bien ce que je pensais. Les armes infligeant peu de dégâts ont du mal à pénétrer les armures. Si vous atteignez tout juste le seuil de dégâts d'une cible, optez pour une arme à la valeur de deck plus élevée ou des munitions qui réduiront son seuil de dégâts. Exemple, perforation. Ok. Vêtements. Les tenues peuvent être composées de différents types d'équipements, allant de vêtements aux armures, en passant par les lunettes de soleil et les chapeaux. SD. Certaines tenues procurent un seuil de dégâts. Ah, seuil de dégâts, d'accord. À leur porteur. Votre SD correspond à la somme totale des SD de vos tenues équipées, ajoutée au bonus provenant des aptitudes ou des produits chimiques. Le SD est déduit des dégâts reçus. Plus il est élevé, plus vous êtes protégé. Même si un pourcentage réduit de dégâts traversera les armures les plus épaisses, un SD élevé ne doit pas être sous-estimé. CND. La condition des tenues affecte leur degré de protection. Les tenues à la CND supérieure à 50% offrent une protection maximale et doivent uniquement être entretenues. Tenues légères, moyennes, lourdes. Les tenues moyennes et lourdes ralentissent le personnage si elles sont équipées. Réparation. Cette option ouvre le sous-menu de réparation qui permet de réparer des tenues à l'aide de pièces de rechange d'objets similaires. C'est bon, elle est équipée. S'il y a un petit carré à côté, c'est que c'est équipé. Voilà. Les Steam Pack. Ça redonne de la vie, en fait. Les épingles à cheveux, c'est ce qui sert à faire du crochetage. Et les munitions, ben... Presque toutes les armes à feu et les armes à énergie utilisent des munitions, mais c'est le cas également pour d'autres types d'armes. Les munitions de base n'ont pas d'effet spécial, mais les sous-types de munitions peuvent augmenter les dégâts, réduire le seuil de dégâts d'un adversaire ou bien la dispersion de son arme. Les effets sont affichés dans le sous-menu de munitions lorsque vous sélectionnez les munitions en question.
La plupart des armes utilisent des sous-types de munitions dont le nom commence comme les munitions de base. Les sous-types de munitions les plus communs comprennent perforation, ignore une grande partie du seuil de dégâts de l'ennemi et inflige des dégâts légèrement accrus, pointe creuse, inflige beaucoup plus de dégâts, mais peut être facilement bloqué par une armure. Surcharge, utilisée par des armes à énergie, accroît les dégâts mais endommage l'arme plus rapidement. Balle, utilisée par les fusils, des balles de plus gros calibre, plus précises, remplacent le groupelon. Pour changer de sous-type de munitions, équipez-les dans ce menu. Hors du Pip-Boy, appuyez sur 2 pour faire défiler les sous-types de munitions disponibles pour l'arme actuellement équipée. Ici, on a donc la radio. Dans tout le jeu, on peut mettre la radio, je le ferai pas tout de suite. Divers bons de livraison du Morave Express. Instruction, vous apportez le paquet à l'entrée nord du strip de Vegas, côté Freeside. Un agent du destinataire vous attendra au point de contrôle, prendra possession du paquet et payera pour la livraison. Vous apporterez le paiement à Johnson Nash de l'agence du Morave Express à Prime. Bonus à la livraison, 250 capsules. Manifeste, ce paquet contient un jeton de poker de grande taille, matériaux platine. Pénalité contractuelle. Vous serez considéré comme un agent du Morave Express Package jusqu'à la livraison et au paiement. Vous êtes contractuellement tenu de mener à bien la transaction et être matériellement responsable de tout dommage ou perte. Tout défaut de livraison au destinataire indiqué peut entraîner perte de l'avance et du bonus et faire l'objet de poursuites pénales et ou par des équipes de réclamation composées de mercenaires. Le Morave Express ne saurait être tenu responsable d'une quelconque blessure ou de votre décès lors de la dite tentative de réclamation. Sans blague. Alors, j'ai plusieurs quêtes. Ça, c'était la quête du début, hein, voilà. Retour en selle. Parlez à Sunny Smile au Prospector Saloon. Ils sont partis par là. Obtenir des renseignements sur votre mission de livraison auprès de l'administrateur du Morave Express à Prime. Mais, optionnel, parlez de votre sauvetage à Victor à Good Spring. Trouvez les hommes qui ont tenté de vous tuer. On va d'abord faire cette quête-là. Donc ici, on a la carte du monde où on ne voit rien pour le moment, vu qu'on n'est pas encore sorti. Et la carte du bâtiment, dont on s'en fout pour le moment. Ici, donc c'est l'état général. Hein, on peut, on a une ville principale, mais on a aussi une... On peut être infirme dans ce jeu, donc si on nous tire trop souvent sur la jambe droite, au final, sa vie, entre guillemets, va tomber à zéro et je pourrais plus courir, par exemple. Donc il faudrait que j'utilise un Steam Pack sur ma jambe pour la guérir et recommencer à courir. Ça, c'est les radiations. Après tout, on vit dans un monde post-nucléaire, hein, donc il y a eu une guerre nucléaire, il y a forcément des radiations par-ci par-là. Donc, on doit essayer de garder le niveau le plus bas. Et ça, c'est les avantages qu'on a avec nos tenues, j'imagine. Donc, la combinaison d'abri nous donne un discours plus 2 et arme à corps à corps plus 2. Le spécial. Donc, c'est les points de compétences que j'ai mis au début. Ça, c'est les compétences particulières. Pourquoi il y a un plus ? Ah oui, parce que j'ai pris ça au début, oui, bien sûr. Les aptitudes. Et général, il n'y a rien dedans. Donc voilà. On est content. On peut commencer à jouer. Non, reviens, corbeau! Et nous voilà donc à Good Spring. Qu'est-ce que c'est que ça? Une batterie, d'accord. Bref. Donc, ce qui est bien aussi dans les Fallout, dans les nouveaux Fallout, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein.
Voilà, moi je suis ici, j'ai quelques quêtes, je suis pas obligée, je peux très bien me barrer directement. Bon, ça serait très con, mais je peux. Je n'ai pas une ligne à suivre, je fais ce que je veux. Par contre, on va aller quand même faire le début du jeu normalement. Ah oui, et aussi la carte, donc la carte, enfin la boussole, en bas à gauche. Donc en bas à gauche, on a mes points de vie. La première barre, c'est les points de vie. Et en dessous, c'est une boussole qui me dit plus ou moins où aller. Par exemple, le petit truc qui clignote là en dessous, c'est pour me dire que ma quête que j'ai sélectionnée dans le Pip-Boy, je dois aller par là. Ça, j'imagine que c'est pour... Si je me rappelle bien, c'est pour montrer là où il y a des gens. Hein, donc là, il y a une petite barre... En dessous de la petite flèche, là, il y a une petite barre, c'est pour me dire qu'il y a une personne vivante. Enfin, un personnage avec qui je peux parler. Je crois que ça me montrait aussi le robot là-bas, mais on s'en fout. Pour le moment. En bas à droite, on a PA, c'est les points d'action. Vous verrez ce que ça fait plus tard exactement, mais c'est vachement utile. Et mes munitions. Et voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Easy Pete. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez quelque chose sur les gens qui m'ont attaqué? Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Easy Pete? Vous savez quelque chose sur Victor? Au revoir. C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. En tout cas, un conseil. Si vous le retrouvez un jour, faites attention. Il avait des petits yeux froids comme un serpent. Lui, faites pas confiance. Et le reste, je m'en fous. Gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des endroits abandonnés, comme l'école. Il y a de sales bestioles parfois. Je vais pas m'amuser à parler comme ça avec tous les personnages. Hein. Là, je voulais juste vous montrer un petit peu, mais voilà. Au pied, Cheyenne! Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. C'est gentil. Lui ordonnez pas. Doc Mitchell a dit que vous pouviez m'apprendre à survivre dans le désert. Il faut que j'aille à Prime, une suggestion sur la route à suivre. Je suis un peu raide, j'imagine qu'il n'y a pas de travail dans le coin. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le coin? Parlons de la région qui entoure Good Spring, blablabla. Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Ok. La flèche clignotante sur votre boussole indique l'emplacement de votre objectif, ce que je vous avais expliqué. J'ai l'air con avec cette tenue quand même. J'ai hâte de trouver autre chose, hein, parce que c'est moche. Bon, vous voyez ces bouteilles de salsa pareilles sur la clôture? Prenez ça. Et essayez d'en toucher quelques-unes. Oui. Ah, c'est bon, ça me l'a déjà équipé, j'ai rien dit alors. C'est comme ça qu'on vit mieux. Raté. C'est l'idée. Servez-vous des organes de visée. Essayez de vous accroupir et de rester immobile. Ça vous aidera à viser. Comment je m'accroupis déjà? Voilà. Joli tir. Bon, bah c'est un début. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salsa pareilles. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. Si vous venez avec moi. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est pas très loin, au sud-est. Ah oui, non. Ne reste pas accroupi, ça ne sert à rien.
Oui, par contre, les boutons qui sont indiqués dans le jeu, c'est pas les boutons de base, hein. C'est moi qui ai modifié ça pour que ce soit plus pratique pour moi, étant donné que je suis gauchère. Donc si jamais un jour vous jouez vous-même au jeu, c'est normal si vous avez pas les mêmes. Hein. Julie Tutou. Vous entendez ça? Sur la crête, derrière moi. Ce sont les geckos dont il faut se débarrasser. Ce sont de sales petits monstres. Je crois bien que ce sont les morsures de geckos qui donnent le plus de boulot à Doc Mitchell. Voyons si on peut approcher. Si on ne fait pas de bruit, on devrait pouvoir les surprendre. On aura plus de chances de les toucher à un endroit vital. C'est bon. Allez-y. Tu viens pas? C'est moi qui fais tout le boulot, c'est ça? Ah, là-bas, d'accord, je vois. Ah! Merde! Non, c'est pas ce bouton-là que je voulais. Voilà. Quand je vous dis que je suis pas douée à ce jeu. Bref. Bienvenue au système de visée assistée Voltec ou Svav. Le Svav indique votre probabilité de toucher l'adversaire ainsi que l'état de chaque partie du corps. Alors souris 1 pour attaquer la cible, souris 2 pour annuler une attaque et E pour confirmer les actions. Pour changer de cible, cliquez sur la flèche gauche ou droite. Le nombre d'attaques est limité par le nombre de points d'action. Donc là je vais lui exploser la tête. Merde. Mais je n'ai pas beaucoup de PA, donc voilà. Voilà. On en profite, on les fouille. Et on prend tout. Elle est où ma copine? Ah, elle est là. Vous voyez, ça commence à venir. Il y a 2 autres puits à nettoyer. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ça me rapporterait quelques capsules. Bien sûr. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Surtout à 2. Suivez-moi. Enfin, surtout à 2, c'est bien. Mais si t'attaques aussi, c'est vrai que ça serait plus rapide à 2. Sinon, c'est moi qui fais tout toute seule, hein. Ah bah ça va, toi l'attaque. Je vais attendre qu'il soit un peu plus près. Ah bah voilà, elle a tout tué, toute seule. Oh bah tu sais quoi, allez hop. Ouh, coup critique. Où qu'elle est? Elle est partie où? Par où elle est partie?
Là-bas. D'accord. Ok, je vais éviter de sauter, ça fait des dégâts. Enfin, sauter de trop haut. À l'aide, mais tu fais rien. Ah d'accord, ils sont en train d'attaquer quelqu'un. Qui est coincé dans un mur, fabuleux. Alors... Il y en a encore un ? Ah oui, là. Attends, 30 secondes, c'est qui était là ? Et qui n'est plus là ? Eh bien, je ne sais pas. Je m'en fous. La radio, je m'en fous. Et blablabla, on s'en fout. Du beau travail. Même assez excitant à la fin. Voilà un peu d'argent pour vous remercier. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je me suis dit que je pourrais vous apprendre à utiliser ce qu'on trouve dans la nature pour se préparer ou fabriquer des choses utiles. Ça vous dit ? Ouais. Très bien. Pour commencer, il faut des ingrédients. Des racines de xandre et une fleur de broc. Que je réfléchisse. Je sais qu'il y a des fleurs de broc au cimetière. Et je pense qu'on peut trouver des racines de xandre près de l'école. Rapportez-moi ça et on s'y mettra. Ok. Qu'est-ce que ça fout ici, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, moi, je peux... J'ai un joli chapeau. Bref, par là. Enfin, je crois. Parce que je vais du bon côté. Attends, je suis pas sûre d'où je vais. Où est la carte ? Où est la carte ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Bon, on va déjà aller là-bas et puis on verra. Hein. C'est pas si loin. Quoi? Ah! On va attaquer le corps, hein. Ouh, ça a l'air résistant, cette sale bête. Ah, pas tant que ça!
il y a pas mal d'ennemis ici, on dirait. Doucement, doucement. Une grosse mouche dégueulasse. Beaucoup trop loin. Écoute, hein, on verra bien. Ah, elle a l'air de s'en foutre. Ok. Ok, votre arme est en mauvais état et doit être réparée pour gagner en efficacité. Vous pouvez réparer des objets dans votre Pip-Boy ou en allant chez un marchand. Pour faire vous-même les réparations, il faut des pièces provenant d'une arme identique. Ok. On va... changer d'arme peut-être. Elles ont l'air un peu de s'en foutre, hein, les mouches que je suis là. Et voilà, bim, et une de moins. Je la touche tellement pas. Magnifique. Tout ça n'a servi à rien. Voilà. Et voilà, ça c'est fait, je suis tranquille. Qu'est-ce que je devais trouver moi ici? Une fleur de je ne sais pas quoi. Bon, je prends tout, hein, je m'en fous. Non, ça, on a rien à péter, ça va pas m'être utile. Non. Je vais pas manger de la viande de mouche, c'est dégueulasse. Il y en a qui ont fait la fête ici ou quoi? Bon, qu'est-ce que je devais trouver? J'ai oublié. Une fleur de broc. Une fleur de broc.